L'efficacité des archers gallois et anglais va être largement éclipsée, devenant pratiquement obsolète à la fin de la guerre de Cent Ans, lorsque les Français vont perfectionner l'utilisation d'armes à feu telles que le canon. C'est le cas en 1453, à la bataille de Castillon, où l'artillerie est employée massivement par les Français. Les archers déjà surclassés en portée le deviennent aussi en puissance de tir à bout portant du fait de l'apparition des canons à main. Les Anglais, devant se ruer à l'assaut, se font en conséquence hacher par les tirs de mitraille. Également, dans la dernière phase du conflit, une stratégie de neutralisation des archers anglais, dont l'entraînement est très long, est appliquée. Capturés, ils sont mis définitivement hors d'état de combattre par amputation du majeur avant d'être rançonnés. Ils préfèrent alors souvent mourir plutôt que de se rendre et être mutilés. Le déclin de l'arc ne fait que commencer. De plus en plus supplanté par l'arc-but,